Il est là, les amis. Un petit chardot du Beaujolais, Beaujolais blanc. C'est la première fois qu'on va goûter ça dans On n'y connaît rien. Merci de nous suivre, de partager nos vidéos. On espère que vous passez du bon moment, que vous rigolez un petit peu, que vous découvrez peut-être des choses qui vous plaisent. Et puis voilà, on partage. Merci en tout cas de votre soutien, ça fait très plaisir. Pierre, l'ami Pierre, va déguster un Beaujolais. Il adore le Beaujolais, un Beaujolais blanc. Il adore le Beaujolais blanc, il adore le Chardonnay. Et il adore ces vignerons, la famille Chasselet. C'est des super vignerons du côté de Châtillon-d'Azergues. Et on va voir si Pierre découvre que c'est un Chardeau. Je pense qu'il va le trouver, ça. Mais va-t-il trouver que c'est du Beaujolais? On va voir. A tout de suite. Pierre, comme il est très fort en ce moment, je mets pas la bouteille. Trop d'indices, la bouteille, pour un concurrent aussi sérieux. Pour la petite histoire, nous sommes un petit matin. Et que voilà, tiens, Pierre, un peu au réveil, après une belle soirée passée ensemble, entre amis. Soirée. Je vous propose de boire un petit vin blanc, un grand vin blanc. Histoire de remonter en selle. Donc voilà, t'as vu la couleur qu'il a quand même? C'est un jaune, un beau jaune soleil, quoi. Ouais. Pareil, c'est classe, ouais. Le premier nez est un peu boisé, miel, ça, c'est acacia. Ça, c'est un vin qui plaît, ça. Tu sers ça, tout le monde aime ça. Ouais, hein. ça marche. J'aime bien le nez, en tout cas. Très fin, très classe. Ouais, c'est hyper bon, j'adore. Je connais ce vin. C'est gras, c'est boisé. C'est du Chardeau, quoi. C'est un Bourgogne, quoi. C'est un Bourgogne. Alors, peut-être que c'est la Grande Bourgogne, peut-être que c'est un Beaujolais blanc, mais plus je déguste, ouais, plus je me sens nul. Bah, comme on dit... Non, je sais que je ne sais pas. Je sais que... C'est Johnny qui a dit un jour au 20h. Ouais. Un grand homme un jour a dit que tout qu'est-ce que je sais, c'est que je sais rien. Je connais ce vin. C'est un cuvée de Florence Crétine. Ouais. Là, au petit matin, je suis au golf club. Pierre, tu fais un 18 trous? J'arrive, je finis mon meursault et j'arrive. T'es au golf club de Beaune. Je le verrais très bien sur un petit poisson aussi. Ouais, c'est assez gastro quand même. Hein. Après, moi je suis très dans le mental, tu sais, Alex. Donc ouais. Je me dis, mais il peut pas m'avoir sorti un Chardeau. C'est pas possible. Ma première intuition, c'est ça. Un Chardeau. C'est un Chardeau, ouais. Et après, si je dois douter, je vais dire une Roussanne. Ah, mais c'est une Roussanne fait par Pierre Frick en Alsace. De toute façon, je te fais plus confiance, Alex, tu sais. Pierre Frick m'a dit, Alex, pour toi, j'ai fait 100 bouteilles de Roussanne. Elle s'appelle Ömerkeknix Roussanne. Y'a YouTube. Ah, finesse. Je peux sortir un mariage à Pâques, sur le brochet. Ça fait très ça, voilà. Ça fait très repas de famille, un peu formel. Tout le monde a mis sa chemise. Golf club. Ouais. Ah, on est bien dans notre maison de campagne à Évian, ouais. Là. On est plein de clichés, c'est génial. C'est hyper floral. Sur l'iris, non? J'allais le dire, mais ouais, en même temps, est-ce qu'on aurait dit autre chose? On est sur l'iris sauvage. Non, il est complexe. C'est assez complexe, hein, ouais. C'est assez complexe. C'est... Là, tu m'as sorti... Non, je me suis pas foutu de ta gueule. C'est un vin de dégustation. C'est pas un vin de soif. Tu vois. D'accord. Je vais pas... m'en resservir un verre juste après. D'accord. Je vais l'apprécier énormément, mais je vais pas le glouglouter. Alors, on est sur quoi, Pierre? Le cépage, une région éventuellement? Tu viens de me dire que je trouvais trop, que tu allais me mettre d'équerre. Moi, j'ai l'impression de boire un Bourgogne, si tu veux que je te dise. Bon, bah alors. C'est parti! Je sais que quand tu dis bon, bah alors, c'est que j'ai tort. Alors. Bah, je vais dire que c'est une Roussanne. Une Roussanne de Régis Descôtes. Ok. Roussanne. Régis Descôtes. Ah, oh, il se marre. Non, je ne marre pas, c'est bien. C'est bien. Ouais, tu diras pas, j'ai dit Chardonnay. Si, je le dirai. parce que de toute façon, la Roussanne, je me souviens, j'avais dit quand j'hésite entre le Chardonnay et le Sauvignon. Ouais. Et là, j'hésite pas du tout pour le Sauvignon. Donc, c'est peut-être du Chardonnay, mais alors qu'il y a eu chaud, quoi, du sud-ouest. Été de soleil. Ah, le dilemme de la vie. Chardeau ou Roussanne? Ah. Allez, Chardeau, vas-y, dis-moi, ça c'est un Chardeau dans le bois. Ah, je cherchais la Gers. Bouteille. C'est un Chardeau du Gers. Ah, c'est un Chardeau du Gers. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, on peut donc. C'est un Chasselet.
Tu m'as sorti un chasselet, hein? Je sais pas. Oh, punaise! Yes! Eh, je suis pas mal quand même. T'es pas mal. Je suis pas mal parce que je dis, ça me fait penser au Crête Bean direct. Crête Bean, ils ont appris à vinifier avec chasselet. Alors, montre-nous un peu cette bouteille. Ah, c'est la classe. Hein. La famille chasselet et parcieux blanc. Enfin, eh ben, tu nous l'as fait ta petite danse ou pas? Non, je la mérite pas, je suis pas assez sûr de moi. Si, si, un petit truc, il faut un petit truc. Voilà, un peu plus, vas-y, développe, enveloppe, voilà, bien. T'as hésité. On avait fait un tour du Beaujolais, on avait fini chez Jean-Louis Dutrève, et il y a Fabien, le fils, qui est arrivé en moto, comme une fusée, avec une bouteille, le leurre rouge. On était en train de partir. C'est toi ou Mathieu qui est sorti du caveau de Dutrève avec le verre et qui m'a dit « Pierre, il faut que tu goûtes ça ». J'ai goûté le vin et j'ai dit « C'est le meilleur qu'on ait bu de la journée ». Et pourtant, on avait bu des grands fleuris, des grands vins. Et après, c'est comme ça que je suis retourné chez eux. On a décidé qu'on allait retourner chez eux et qu'on allait lâcher quelques smic. C'est un peu rare. C'est comme le vin blanc que tout le monde s'arrache, c'est les chasselets, ils en ont jamais, tout ça. Ouais. Tous les Beaujolais blancs en général, c'est rare. Quand ils sont bons, il faut les aimer, ça casse. Ouais. Coucou la famille Chasselet, donc on aime le travail. Bravo Pierre, je te dis bravo, t'as trouvé le charbon. Merci. J'aurais aimé que tu dises Beaujolais blanc, t'as pas dit Beaujolais blanc. Non. Tu dis Gers. J'ai commencé par dire c'est un Crête Bean. Les parcieux de la famille Chasselet, pour moi et pour Pierre, je mange de ça. Ça vaut un. C'est un grand vin. Un grand vin. Ouais, c'est un très grand vin. Voilà. Salut Pierrot. Ciao. Salut à tous, abonnez-vous.